Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul action. Alors ce sera un haul où il n'y aura certainement pas les prix, je ne sais pas encore. Parce que je ne suis pas chez moi, donc j'ai pas d'ordinateur pour monter. Et avec le téléphone, c'est un peu plus compliqué que j'imaginais. On va commencer tout de suite, j'ai pas acheté grand chose, mais le sac il est lourd quand même. Donc déjà je vais vous montrer, monsieur a acheté ça pour lui aller en vacances. Oui, et on l'aura pour la maison aussi. C'est parce qu'il veut s'acheter des fruits et faire des smoothies. Donc voilà, il fera des smoothies avec ça. Si j'ai les prix, je vous les donnerai. J'ai pas demandé de ticket de caisse, j'aurais dû. J'ai pas pensé. Mais si je peux, je vous intégrerai les prix. Ensuite, j'ai voulu goûter du coup l'aloe vera drink comme ceci. Écoutez, c'est pas trop mauvais. On sent pas trop les morceaux. C'est sucré, mais je trouve que ça va encore. Par contre, le goût, on dirait un petit goût de bubble gum, là, quelque chose comme ça. Pas trop mal. Je me suis racheté des tongs comme ça. Elles étaient à 3,49 celles-ci, je crois. Donc voilà, je les ai achetées en rose. C'est pour moi. Je me suis pris... ils ont mis les trucs d'automne. Donc j'ai pris une petite guirlande champignon. Je l'ai trouvée trop mignonne. Il y a 10 lettres dedans et il y a 1 mètre de fil. J'ai repris des canettes d'Energy Drink. Donc j'ai pris à la pastèque. Watermelon, c'est pastèque. Berry Marshmallow. Donc, chamallow aux fruits rouges. Et ici, Blood Orange, donc à l'orange sanguine. On verra bien ce que ça donne, celle-ci, elle est nouvelle. Ensuite, j'ai repris, parce qu'on a cassé, à force de faire les cheveux des filles, la brosse de ma nièce. Je lui ai repris une petite brosse à 1 euro, celle-ci, voilà, avec des petites licornes et des paillettes. Monsieur a repris du gel à raser Gillette Fusion 5. Oh, c'est... Ah, j'allais dire non, c'est fini, mais non. Ça aussi, c'est nouveau, c'est j'apprends l'anglais. C'est pas dit de... d'âge. Donc, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais le prendre pour Tiffanios. Ça peut peut-être l'intéresser. Donc, ça, je crois que j'ai payé 89 centimes. Ensuite, pour monsieur partir, je lui ai pris un Sudoku. Ça, c'était 1,99, je crois. Donc, il n'y a pas... C'est pas noté le niveau. Mais bon. Voilà. Il aime bien faire de temps en temps des sudoku. Donc, c'est l'occasion qui fera le lardon, n'est-ce pas? J'ai pris également pour repartir un kit de premier secours. Voilà, ça c'était deux et des cacahuètes. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Vite. Alors, attendez. Hein. Wait a minute, please. Alors, ça se présente comme ça. Donc, vous avez la boîte comme ça. Hop. En tout cas, c'est bien fermé quand même. Dedans, nous avons une paire de petits ciseaux, deux bandages. Ça, qu'est-ce que c'est? Des compresses. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 compresses. Ça, ça doit être du ruban pour scotcher. Oui, pansement adhésif, un petit. Un lot de gants, je ne sais pas. Oh, je suis en train de me faire piquer, je suis sûre. Attendez. Avec les godasses. Des gants jetables. Voilà. Ça ici. Ah, pour supporter l'épaule. Ça, c'est pas mal. Des petits pansements comme ceci. Tout ça, c'est emballé dans les sachets individuels, ce qui n'est pas trop mal. Une pince à épiler pour enlever les échardes. Et 4 lingettes désinfectantes. Écoutez, c'est pas trop mal. Je me suis dit, j'ai rien prévu pour eux. Et du coup, ben voilà, j'y ai pensé quand je suis passée devant. Et comme ça, au moins, il y a le petit kit pour les petits bobos. Ce sera très bien. Parce que quand vous ne parlez pas anglais et pas espagnol et que vous partez en Espagne, hein, d'accord? J'ai fait la petite photo. Ensuite, monsieur s'est pris, il a déjà bu une, c'est une Lipton comme ça, pétillante. J'ai repris du coup pour les enfants une brosse pour Morgan ou Tiffania. Et la deuxième, on peut se balader quelque part, je vous la montrerai après. Ensuite, pour Morgan et moi, j'ai pris deux éponges Conjac comme ça, je crois qu'elles étaient à 1,99 les deux. J'ai pris ça pour ma nièce est à fond en ce moment dans les bracelets brésiliens. Du coup, j'ai dit, bon, pourquoi pas tenter avec de vrais bons fils pour faire les bracelets brésiliens. Ça, c'est 95 centimes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attendez.
8 couleurs et il y a 8 mètres dedans à chaque fois. Vous avez ces couleurs-là, du noir qui dégradait vers le gris et le blanc, du rose, du bleu, du vert, du violet. C'est déjà pas mal. Je sais pas s'il y a les trucs DMC. S'il y a les rapports DMC, je vous les dirai, tiens. Ensuite, je me suis appris un sans-bon pour la voiture. Voilà. J'ai pris ça, c'est nouveau, et j'ai pris ça parce qu'ils veulent absolument manger des glaces. Donc du coup, il y en a 10 dedans, c'est des petites, on va les mettre au congélateur pour ce soir ou demain. Je pense plus demain. Du coup, ça, il y en a un deuxième. Je fais ma vidéo, ma soeur. Tu vas participer? Non, c'est vrai. Que je te sers de la bureau. J'ai pris de la sangria blanche, frère. Comment? J'ai pris de la sangria blanche. Ah, c'est beau, la blanche. Mais là, après. Ah ouais, parce qu'elle est beau, frère. Tiens. Elle est où? Mettre ça au congélateur, j'ai pris pour les enfants. Ah, top. Il faut demander à Seb, c'est celle qui l'a rentrée. Ok. Si tu veux. J'arrive. Ensuite, j'ai vu qu'il y en avait un niveau dur qui est sorti. Du coup, j'ai pris, c'est un match it. Alors, vous voyez, les niveaux, ils sont ici. J'avais déjà le normal, enfin le facile, le moyen. Et là, j'ai pris difficile. C'est sur le thème du cirque. On va peut-être essayer après, tiens. Ensuite, ça, c'est nouveau. Et je vais essayer. Si ça fonctionne, j'irai en rechercher. C'est des Twin Pen Markers. C'est fait pour le verre, la portionnelle, le textile. C'est à base d'eau. Oui. J'ai toujours quelqu'un qui vient m'embêter. Oh là, ma fouilleuse. Qu'est-ce qu'il y a? Te colle pas trop, t'es plein de produits. Qu'est-ce qu'il se passe? T'as mal à la tête? Ici. Mais t'as rien? Ici. Mais t'as rien? Ici. Bah, il faut remettre de la crème, non? Ici et ici. Ah oui, oui, il faut mettre de la crème. Mettre de la crème, chérie. Maman, elle va te montrer après, elle a acheté quelque chose pour toi. Donc voilà, c'est des stylos comme ceci à double embout. Donc vous voyez ici, il y a le tout fin et en bas, il y a le tout gros. C'est écrit quoi? Shake, push, write. Voilà, tout simplement. C'est écrit needle and bullet. Voilà. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une bête sur moi. Ça, je crois que c'était 1,89. J'essaierai, hein, je vous garantis pas, mais j'essaierai. Ensuite, j'ai pris du gel douche parce que j'utilise tout le temps celui de ma soeur. Du coup, je lui en ai repris. C'est à l'orchidée. C'était pas cher et il sentait super bon. C'est enrichi en acide hyaluronique. C'est la marque Dermomed. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et ça, c'était pas cher. C'était 2 euros et des briquettes. J'ai repris du coup des Frappe Mix. Voilà, qu'on aime beaucoup. La deuxième brosse qui est ici. Vous savez, j'en avais déjà pris des comme ça et je les trouve super. Ça aussi, c'est nouveau. C'est des paillettes en spray pour les DIY et tout ça. Il y a plusieurs couleurs. Alors, il y a du violet clair, du couleur perle, du black, du alors, light violet, bright pearl, midnight black, rich rose et glamour. Gold, et là j'ai pris Premium Silver. Et tu t'ouvres ici. Alors je sais pas du tout ce que ça donne. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez un spray là. Tiens, on va faire des paillettes. Vous le verrez pas bien. Mais ça, ça va. Je vais m'éclater, je crois. Ah ouais, je crois que je vais m'écraper. Je vous montrerai ça certainement si je fais un DIY ou quoi, et puis si j'y pense, hein, déjà. Voilà, donc ça c'était une nouveauté. Donc je dis, il y a encore d'autres couleurs. Du coup, j'en ai repris un deuxième comme ça, mais dans les tons orange, rouge, rosé. Il y en avait aussi dans les bleus et tout ça. J'ai pris 3 lots de paille réutilisables. Bleu, vert et rose. Alors, je ne sais pas si c'est en plastique ou pas. Paille réutilisable avec brosse. Il y en a 5 dans chacun. C'est pas écrit la matière. Je pense que c'est du plastique. Si c'est du vert, c'est trop bien. Mais... non, c'est du plastique, mais écoutez, ça ira très bien. Oh, trop bien! En fait, il y a des pailletés dedans. Le blanc il est pailleté, puis vous avez les vertes. Écoutez, ça me fait 10, 20, 30. Et c'est pareil, c'était pas trop cher.
Donc du coup, j'en ai repris. J'ai pris également, je les ai trouvés, et je ne savais pas, mais il y avait plusieurs couleurs, et j'ai pris celle qui se rapprochait le plus de ma couleur de peau. Parce que clairement, Caracal Black, non. Après, j'aurais pu prendre pour mettre sur un dessous noir. Ça aurait pu être bien. Caramel, c'est pas du tout ma couleur. Et là, j'ai pris Sand. Voilà, c'est les boop tape, comme ça. C'est comme du sparadrap que vous venez coller sur votre poitrine. Si vous voulez pas mettre de soutien-gorge selon le maillot. Hein. Et puis, il vous donne même les astuces pour vous les coller correctement. Nous verrons cela. Moi, c'est plus principalement pour faire ça ici, en fait. Voilà. Pour quand je mets des maillots qui sont fort échancrés, comme ça, au moins, j'ai pas besoin de mettre de soutif. Allez. Alors, vous avez... Ça, c'est bien. Des cache-tétons. Ça, c'est bien. Et vous avez aussi encore la notice dedans et le sparadrap. Bon, en fait, c'est du sparadrap de médecin, quoi. Après, je demanderai à mon médecin qui me donne des sparadraps. Sorry, c'était des cache-tétons. En gros, hein. Je dis ça. Comme ça. Hein. Bref, j'ai enfin trouvé une coudière. Voilà, et celle-ci, elle était un peu plus de 9 euros. Je ne l'ai pas testée, j'aurais dû l'essayer. Je ne l'ai pas essayé. J'ai pris taille M, mais j'ai peur que taille M, ça soit trop petit. Alors, c'est fait pour soulager mon coude parce que j'ai une épicondylite. Et mon coude me fait souffrir parfois. Et en fait, c'est fait pour soulager la tension dans le coude. Ouais, j'aurais dû prendre taille M. Taille L. J'ai pas des petits bras. Hein. Après, il fait chaud aussi, j'ai envie de dire. Mais j'ai peur que ça me fasse garrot. Et je crois que j'irai le changer demain. Demain ou après-demain, j'irai le changer. Mais voilà, en fait, ouais, ça fait trop garrot. Je le sens ici que ça fait trop garrot. C'est pas grave, j'irai l'échanger demain. Hop. Mais en tout cas, sachez qu'il y en a encore dans certains actions. J'ai qu'à celui-là de billes. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Et j'irai le changer demain. C'est pas grave. Ensuite, ça aussi, j'en ai repris parce que c'est des nouveaux que j'ai pas. Et de toute façon, ma fille, il les utilise autant que moi maintenant. C'est les crayons comme ça de chez Action qui sont très très bien. 2,49€. J'ai pris, ils ont sorti leur guacha. Je l'ai pris, pas pour le truc, du bienfait de la pierre, quoique. Mais pour avoir les bienfaits de la pierre, je pense qu'il faut investir dans un vrai guacha avec une vraie pierre. Ma robe, elle fait n'importe quoi. Enfin bref, moi je l'ai pris principalement pour me faire les massages. Et ça se présente, au cas où si vous ne le saviez pas comment ça se présente. Ça c'est 1,11€, je le sais. Ça se présente comme ceci. Et en fait... C'est assez cali parce que je sens que c'est assez lourd. En fait, vous venez mettre votre crème et vous massez. Et moi, j'aimerais bien faire les deux en même temps, comme ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Ouais, je vais recommencer à prendre soin de mon visage et tout ça parce que j'ai tout abandonné depuis la formation. Et je me rends compte que c'est pas bien du tout. Du tout. Donc, j'en ai pris deux. Ça, c'était 1,11€. Et ensuite, les dernières choses que j'ai pris. Alors, j'ai pris une paire de ciseaux. Je vais donner le mien à ma soeur parce que ma soeur, elle me l'a déjà volé. Le petit sac. Ah non, c'est pas les dernières. Après, je vais vous montrer les photos. J'ai pris ça pour les enfants. J'ai payé ça 99 centimes. C'est des petits carnets où noter leurs petits secrets. Voilà. Une pour ma nièce Gabi, une pour ma fille. Elles choisiront. Et là, ben, c'est même pour Dragan et Axel. Parce que ben, pour garçon, il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà. Et vous avez le petit crayon qui est assorti. Dernière chose que j'ai eue chez Action, il fallait que j'aille là-bas pour la trouver parce que moi dans le Nord je n'ai rien trouvé. J'aimerais bien trouver les palettes Révolution pour avoir pas l'avocat, je ne sais plus les noms. C'est celle qui a un jaune dedans, j'aimerais bien. Mais bon, j'ai trouvé la Peony et c'est vrai qu'elle est très très belle. Je suis en train de me faire bouffer. C'est vrai qu'elle est très très belle. Voilà, en visuel comme ça sur la caméra, je trouve qu'elle ne rend pas. Mais quand vous l'avez devant vous, je la trouve magnifique. Elle coûte 5€. Donc voilà. Si le cœur m'en dit, demain, j'irai peut-être vous en acheter une pour vous. Pour concours. Tout bénef, hein. Tout bénef pour vous. Enfin, bref. Donc voilà. C'est comme ça que je termine. Après, j'ai des autres petites choses à vous montrer. Mais ça, je vous montrerai dans le vlog. N'hésitez pas à aller voir le vlog. Bon, je range tout ça. Ça, je mets de côté. Ça, je mets de côté. Ça, c'est à moi.
ça c'est pour mes filles. Je fais le tri. Ça c'est à moi. Ça c'est à monsieur, mais ça va là. Ça c'est à moi. Ça c'est pour les vacances, donc ça va être après. Ça c'est à Gabi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour la voiture, je ne sais pas. Ça c'est pour maintenant. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi ou moi. À la maison. Ce sera mieux. Mes pailles. Maison. Claquettes. Maison. Ça, on va embêter tout de suite avec l'apéro de la sangria. N'est-ce pas? Ça, c'est pour ma sister. Et c'est tout. C'est tout. Écoutez, c'est déjà très bien. Hein, n'est-ce pas? Sur ce, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que cette courte vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, je vais essayer de vous insérer les prix. Mais c'est pas gagné. Ne vous emballez pas, ne vous enflammez pas. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous le désirez, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez un petit arc-en-ciel. Ça fait aussi très plaisir. J'ai besoin de couleurs dans ma vie. J'ai besoin de lumière dans ma vie. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Et puis tout ce qui s'ensuit, hein, tout blabla. On se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo. Bye!